Et c'est parti pour la dernière petite vidéo de la journée du 24 juillet 2021. Alors, je regardais les vidéos sur cette plateforme. Puis alors, la presse française, donc il y a juste des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Je cite bien juste des milliers. Alors, moi, j'ai regardé les images. Surtout dans Paris, ça fait plus mignon qu'une idée, mais bon. C'est pas mignon, moi je me dis demi-mignon, parce que vraiment, franchement, il y avait du monde. Il y avait du monde. Bravo la France, c'est tout ce que je peux dire. Bravo la France. Alors, tout le monde est descendu pour le pass. Même les. Sont descendus pour le pass. Houston, il y a un problème. Alors, c'était dans toute la France. Moi, je regardais. Hein, c'était dans toute la France. Et puis aussi dans le monde entier. Alors, il y a un truc que je suis surpris, c'est les Japonais. Puis, ce coup-ci, il y avait du monde. Une fois, j'avais regardé, il y a quelques mois de ça, j'avais regardé eux dans une manif. Il y avait juste quelques personnes. Mais là, c'était bien organisé par la police. Et il y avait vachement de monde. Il y avait quand même du monde. Alors, pour vous dire, alors, petite parenthèse. Donc, en gros, les Japonais et les Chinois, c'est quand même les 500 millions qui sont censés rester quand même. Ça, mais je dis rien. Les autres sont censés partir. Donc, je dirais quelque part, on est en bonne voie. Ok. Alors, ce qui m'interpelle toujours en regardant les défilés des personnes qui étaient là et qui filmaient, il y en a qui sont juste là pour le pass, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ces défilés qui ont pas encore compris toute l'histoire. C'est dommage. C'est dommage. Il semblerait qu'il y a que les complotistes qui comprennent un truc. C'est vrai qu'on. Là, ils disent n'importe quoi. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Donc, c'est partout dans le monde. Comme je dis, les forces armées ont besoin de comprendre que une grande majorité de la population. On a marre pour qu'elle puisse venir au premier plan et dire voilà, c'est nous qui gérons, de toute façon, c'est nous qui gérons depuis 2 mois. Donc, moi, ce que je crois comprendre, donc dans tous les pays du monde, il y a un gouvernement alternatif, mais on ne le sait pas. Okay. Parce que, comme je dis, certains sont partis sur le soleil de Cuba, et puis il y en a certains, ils sont même pieds sous terre. Ça. Ok. Donc, oui, on va voir ce que ça va donner parce que là, okay. Alors, aux États-Unis, eux, ils prévoient déjà qu'il y aura des problèmes de ravitaillement alimentaire. Apparemment, les forces armées, dans l'armée américaine, on a formé les soldats de dire à leur famille de faire des stocks. Parce qu'il y a des. Alors, pour la petite histoire de la pénurie alimentaire, l'autre fois, je regardais une vidéo, je ne savais pas. Okay. Apparemment, il y a cinq grandes compagnies dans le monde qui sont organisées quasiment par région, quasiment les cinq continents. Okay. Et qui en fait ravitaillent la planète entière. Et bien sûr, ces compagnies, elles appartiennent au poteau. Donc en gros, ils peuvent décider de nous couper les vivres, littéralement, c'est ça. Okay? Et on ne pourra rien faire. Et ça fait des années, donc ça fait des années qu'ils nous nourrissent, donc ça fait des. Entre guillemets, du jour au lendemain, ils peuvent décider de nous couper les vivres. Alors, ce qui est vrai, apparemment, c'est qu'il y a des cargaisons de nourriture qui pourrissent, aussi bien dans des camions qu'en pleine mer. Et c'est fait exprès. C'est les poteaux graniers, c'est fait exprès. Donc, d'où la pénurie alimentaire. Alors, moi, je ne sais pas ce qui se passera en Europe. Après, vaut mieux avoir juste. Alors, il y a certaines personnes qui disent que ça devrait durer, si ça arrive, ça devrait durer 24 heures, 48 heures ou une semaine. Moi, la manière dont je vois, comme je vous disais sur une précédente vidéo, là, je regardais l'histoire de la Canadienne. Donc, moi, je me dis que si réellement les poteaux, donc, ils arrivent à travers les chiffaillons, parce que c'est ça le problème. C'est les chiffaillons le problème là maintenant. Ah, il va pas paralyser le système d'alimentation dans le monde. Ok.
Moi, si je comprends ce que si je lis entre les lignes par rapport à la personne qui dit gérer le Canada, ça voudrait dire dans ce cas, ça serait l'armée qui utiliserait les cargos pour, je dirais, ravitailler le monde. Moi, c'est comme ça que je vois, on serait arrivé à ce point-là. Donc, je ne sais pas si ça sera en France, si ça va arriver, ça va pas arriver, je ne sais pas. Après, pour retourner en manifestation, je n'ai pu m'empêcher de constater que parmi les forces de l'ordre, nous avons des amis du poteau. Ah, il y en a qui font foi. Alors moi, je me dis, c'est très bien parce que, comme je vous dis, les poteaux, ils sont dans tous les échelons de la société, y compris la police, la gendarmerie, CRS, enfin, tout ça. Il y a des poteaux qui... Il y a des poteaux. On peut pas appeler ça des chiffaillons. Bref. Mais moi, je me dis, par rapport à les Français qui marchent dans la rue, je me dis, effectivement, les exactions, les comportements des forces de l'ordre, dans ce cas, on sera fixé. Je dirais, pour certains bataillons, si on ne les avait pas encore opérés, ben là, maintenant, on sera fixé, quoi, par rapport à les machins. Donc, je regarde une vidéo où il y avait un jeune homme qui faisait trois fois rien, qui se baladait avec ses potes, qui s'est fait arrêter par... Alors, je crois que c'était des CRS, sur Paris. Ils sont tombés dessus, puis je sais pas. Ok. Donc, j'ai remercié la France. La France s'est motivée. Ça, honnêtement, je suis contente de voir ça, parce que je me souviens qu'en mars 2020, quand je suis tombée dans la... Ouais, comment ça se dit encore, l'histoire d'Astérix, dans la potion magique, entre guillemets, si réellement c'est une potion magique, je me suis dit, wow, ok. Je voyais réellement qu'il y avait peu de personnes qui comprennent. Et là, maintenant, il y a... Déjà, je dirais que c'est bien, parce que les gens comprennent que l'histoire du passe-passe, il y a quand même... Là, ça... Passe-passe, là. Le passe-passe, pour le coup, il passe pas. Ah! C'est embêtant, quand même.